Bah, c'est terrible, hein. Être qui filme la télé, même jour, je pensais vraiment pas. Bon, comme moi, je suis toujours en différé, hein, parce que comme je supporte pas les pubs, tout ça, j'enregistre, je fais des choses 2 heures le matin, j'enregistre CNews, je reste toute la journée là-dessus, et puis comme ils arrêtent pas de passer, ils racontent des conneries, mais en tout cas, eux, ils racontent ce que racontent tous les autres, hein, c'est simplement des changements de nom. Et alors là, bon, moi, ça fait un petit moment, hein, parce que c'est un coup de gueule, hein, d'être qui filme la télé. Bon, j'en ai marre qu'on parle de doses, quoi. Hein. C'est un vaccin, et après, c'est des flacs, un flacon. Dans un flacon, il y a 5 vaccins. Mais il faut arrêter de parler de doses, parce que les doses, c'est pour les toxicos et les psychos, quoi. Hein. Donc, voilà, donc c'est ça mon coup de gueule. On va les écouter. Voilà, voilà comment les journalistes font passer à la population française un vaccin. Même celui de mars sont encore tendus. Des doses supplémentaires vont arriver, on nous l'a promis. Et d'ailleurs, comment se classe-t-on vis-à-vis de nos voisins? C'est ce qu'on va voir avec vous, Somaïa Labidi. Alors, oui, le conseil appelle. Alors, la France est nettement à la traîne, comme vous allez le voir avec ces chiffres. Nous avons 1,89 doses injectées pour 100 habitants en France, et des chiffres qui sont très en. On parle de dose, quoi. Putain, c'est dose injectée. Non, un vaccin, ou je ne sais pas trop quoi, comment ils l'appellent, injecté. Et il faut 2 vaccins pour être, je sais pas quoi, immunisés dans leurs histoires. Mais pas une dose. Une dose, c'est quoi une dose? Une dose. Et à les dosettes. Et où on met petit sucre, on met l'aspartame, tout ça. Hein, donc on vient prendre sa petite dosette, quoi. Moi, je sais pas. Problème. De nos voisins du Danemark, nous sommes à 3,89 ou encore nos voisins espagnols avec 2,9. Et ça ne va pas s'améliorer. Pourquoi? Tout simplement, le gouvernement prévoit 1 million de primo-injections ce mois-ci, dont 600 000 correspondent à des rendez-vous déjà fixés, ce qui veut dire que fin février, 2,4 millions de personnes devraient avoir reçu au moins une dose, soit un chiffre bien en. Au moins une dose, non, au moins un vaccin. Et il faut 2 vaccins pour, dans leurs histoires, être, je sais pas quoi, immunisé à 95%. Alors moi, je m'en fous de toutes ces conneries. Mais c'est pas une dose. Ouais, mon problème, c'est la dose. Hein. Parce qu'après, il y aura une dose de quelque chose d'autre. Puis une dose de. Un jour, ça sera de la. Hein, il y avait la josacine à un moment donné en France. Il y a eu Marie Bénard. Enfin bon, on donne une dose de quelque chose. Le GHB ou autre. Une dose. Bon, donc les doses, hein, faut éviter. Mais là, c'est que le dé. Enfin. Des 4 millions évoqués par Olivier Véran, ministre de la Santé, il y a quelques jours. L'exécutif justifie ce ralentissement par les retards de livraison. Alors certes, hein, il y en a eu. Pfizer a livré 200 000 doses de moins que prévu. Pour Moderna, c'est carrément moins 25% de doses par rapport à ce qui était prévu. Des retards, toutefois, des liquides ne suffisent pas à eux seuls à expliquer ce ralentissement. Alors, l'horizon, néanmoins, s'éclaircit-il avec les projections de livraison de ce mois-ci? Alors, a priori, L'hôtel parle de livraison, quoi. Et si tu mets pas dose de vaccin, tu mets cocaïne, héroïne, amphétamine, kétamine et tout, tu te dis, mais c'est des fous, ces gens-là. Non, eux, ils parlent de vaccin. Ah bon, d'accord, parce que j'ai eu peur. puisqu'on attend, vous allez voir, 2,5 millions de doses du vaccin Pfizer, 500 000 doses du vaccin Moderna ou encore 2,5 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca. Donc. Bon, donc du coup, moi je vais prendre ton relais. Donc du coup, il y a un gars. Donc ils sont combien? Ils se partagent le business et la scar, tu vois. Et ils ne te vendent plus un vaccin. Les mecs, ils te vendent des doses, quoi. Ils te vendent des Ah, c'est énorme. Ils sont énormes. Les gens qui sont à la télé, là, les gens qui dirigent, là, ils sont énormes. Et franchement, là, le forum de Davos, bravo les gars, parce que là, c'est énorme. Des doses. Maintenant, vous nous vendez des doses. Il devrait y avoir de quoi largement augmenter la cadence, même en réservant les secondes doses pour les 1,4 million de primo-vaccinés. Il aurait été même possible de vacciner plus en espaçant les 2 doses de 4 à 6 semaines, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé, mais le gouvernement a refusé cette recommandation, Nelly. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Bah ouais, attends, le gouvernement, il dit attends, mais. Les doses. Vous allez vous les prendre toutes les 3 semaines ou 4 semaines, mais par contre, il va falloir le faire 4 fois par an. Tu vois? À partir du moment où on n'est plus dans un vaccin où on parle de dose là maintenant, voilà. Donc dose, dosette, petite, tu vois, on l'utilise, c'est une dose, c'est une quantité donnée.
Voilà, donc je nous prédis des jours, comment dire, très heureux, pour ceux qui connaissent les jours heureux. Bon, ben voilà, comme d'habitude, les gars, shalom, shalom, shalom.